Minimoys. Allons, petite, ne soyez pas sur les dents. Et où est passé notre souriceau? Zoé, Zoé. Les ratatiner ces crottes de rats. Carton.
n'avait plus grand chose à dire. Miaou! Allez, vite, aux abris! Opération Baïa, c'est radical. À nous la cuisine. À nous le festin. Je sens déjà le fromage. Moi aussi. Miaou! À moi l'autorité et la ruse! Voilà, je vous avais dit que c'était une bien curieuse histoire. À présent, pour en connaître la suite, ouvrons la porte d'un monde aussi mystérieux que fascinant, celui de Messire les chats. Encore pris une gamelle.
perdue. Quand je pense que toute une équipe de joueurs est incapable d'attraper une seule balle... Parce qu'ils se tiennent dans les pattes, voilà. Eh bien, s'ils couraient après les souris, ils n'en verraient pas la queue d'une. Roméo, as-tu lu ma nouvelle robe? Oui, oui. Comment la trouves-tu? Classe, non? Comment ça? Laisse couler. Le mal est dans son journal. En tout cas, moi je te parle. Tu m'as pas fait mal. Tu peux toujours te gratter. Ah, voilà bien discours de femelle. Toujours penché, collier, robe, grippe et chiffon. Et alors, vous n'aimez pas la mode? Non, on préfère le buzz mode. Macho. Macho. Je m'amuse. Pas une souris à l'ombre. Va donc te faire des griffes sur la brosse avec un... Rien ne peut me détendre quand je meurs de faim. Eh bien, les chatons, on ne fait pas tout lentement. En fait, Bagheera a envie d'un miaou. Dis donc, pistache, au lieu de parler dans tes moustaches, que je sache. Si c'est sur le boudin blanc que tu craches, c'est sur le boudin noir que tu flashes. On dit pourquoi tes poils ont tant de tâches et pourquoi t'as tendance à virer sur la vache. Et toi, le chaman, plutôt que de jouer à l'âne, va donc te faire poser dans la savane. Ah oui? Oh la poulette, tu n'as jamais vu la pitbull en colère? Non, pourquoi? Eh bien, tu vas le voir. Miaou, miaou, miaou. Cette fois, il ne nous reste plus qu'à découvrir le monde des rats, un monde incroyable et fantasmagorique. Accrochez-vous, dépaysement garanti. Tu veux une raclette? T'es mort! On
On baisse les papates, et ron, et ron, et patati, et patata. Non, mais des fois, ça arrive à quoi? C'est lui de Port-Salut, c'est lui qui pue. Quoi? Tu t'es vu, Ragondin? Quoi? Que drap? Oreille de Mickey! Ah, papa, trotte de boursin, vous en faites du bruit. Alors, on ferme sa boîte à camembert. Qu'est-ce que c'est que ça qui c'est? J'ai la rage! Alto Rago, on va pas en faire un fromage. Moi, je veux quitter ce piège à rats. Bon débat, quoi? Silence! Je libère les chats. Oh non, chef! Êtes-vous dans l'armée des rats pour jouer les chariots ou pour vous y chamailler? Chamailler? Me trompais-je ou me trompais-je pas? Non, chef. Alors, on n'aura plus. Joie du fromage de tête. Oui, chef. Compris aussi, souris. Mais chef, c'est les rats. Je ne veux pas le savoir. Et vous, bande de rats, pourquoi dans des rats êtes-vous? Enragé? Je le sens comme ça, chef. Ah oui, et pourquoi tête de noix? Parce qu'il n'est pas rachitique, chef. Vous, fantassin, je vous ai pas sonné. C'est vrai que je n'ai pas entendu la cloche, chef. Ah non, vous n'avez pas entendu la cloche? Si, on l'a entendu puisque c'est le chef qui a parlé. Oh, sanction disciplinaire, vous me ferez grimper au barreau du plancher. Exécution! Oui, chef. Casser! Eh bien, les bleus, on peut sortir de la boîte? Ben. Dans ce cas, pas de les arrêts sous l'hiver, au sol comme les rats. Exécution! Oui, chef. Casser! Si j'avais su, j'aurais pas vu. Cela a du bon d'être chef des rats. Logé, nourri, blanchi, repas prioritaire. Donc, meilleur morceau du Beaufort et du Roquefort, ce qui me rend beau et fort comme un roc. Et souris sur le gâteau, on a les souris à nos pieds. En fait, pour moi, même sans la baraka, ça n'est jamais râpé. Que de surprise! Tout ce petit monde est bien sympathique et très amusant. Même les rats sont de vrais clowns, ils font de ces pitreries. À présent, passons à la suite de l'histoire. Tout d'abord, les rencontres habituelles entre nos héros. Souris, rats et chats. Jouent-ils souvent au chat et à la souris? Observons-les de plus près. Se passer la nuit. Mais au fait, que font ces petites bêtes au petit matin à l'heure où les humains sont encore endormis? Pourtant, il m'avait semblé entendre le bâillement d'une bête qui serait coincée la queue.
Bon, profitons-en pour nous moquer des chats. Parce que si à nuit, tous les chats sont gris, tous les matins, heureusement pour nous, tous les chats sont au lit. Perrette, la chatoune, qui aimait trop le lait, légère et courbettue, s'en allait à grand pas, sautillant sur ses coussinets, mais cette tête de linotte, transportant sur sa tête un énorme potolé. Mais cette tête de linotte glissa sur une crotte et fit tomber son lait dans un grand patatras. Adieu les deux vaches et du biquette, adieu Croquette, et bonjour les dégâts. Heureusement pour elle, mon père le rat a tout. Et c'est lui le pauvre qui fut babu. Moralité, 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 il y en a pas. Les petits se font avoir à tous les coups. Tiens, j'entends quelqu'un. Non, plutôt par là. Pas de chat à l'horizon, profitons-en. Chic à nous les cabrioles, faisons enfin les folles. Blignotti, blignota, du fromage il y en aura. Rat petit, rat petit, déjà chat il y en aura pas. Dame souris trotte, 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 trotte. De ces petits quenottes, croque, croque, croque. Un bout de biscotte, avec du manioc. Dame souris tricotte, partout les tricotes. Avec trois pelotes, trois petites crottes. C'est plus entendre la robinet. Parle sans ta folie, que dis-tu? Je dis que j'ai 26 minutes. T'es sûr? Zorro, le vengeur masqué. Pauvre rat musqué. Qu'est-ce à dire, musqué? Alors, Zorro 007, tu n'as plus peur des chats? Peur, moi. Je te rappelle que je suis un super héros. Et moi, je suis super vorace. Trop fort. Trop bête. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car pendant ce temps, les rats s'entraînent comme des bêtes pour mener une guérilla contre les chats. Approchons-nous de plus près pour assister à l'un de leurs entraînements. Du jamais vu. En place pour l'entraînement du rituel guerrier des rats. Le haka ? Oui, le haka des rats blagues. Lançons notre cri de ralliement pour effrayer les chats. En position ! Mais le bruit risque de les attirer ! Justement, il est temps de les affronter. Ouh ! Attention, je suis une magicienne.
Décidément, il s'en passe des choses extraordinaires chez les petites bêtes. Vous ne trouvez pas? À présent, il est temps de s'intéresser à l'histoire de Roméo et Juliette. Je veux dire à celle de Roméo, notre beau chat, et de Juliette, notre charmante souricette. Celle qui adore lire la tendre histoire d'amour de Roméo et Juliette. Vous vous rappelez? Et s'ils tombaient amoureux? Vous allez me dire que le mariage d'un chat et d'une souris ne s'est jamais vu. Eh bien si, cela existe dans les contes de fées. Alors, rêvons un peu avec eux. Si tu existes, Roméo, viens au clair de la lune me parler chaque soir. Je cherche fortune tout autour du chat noir. Et au clair de la lune, à Montmartre le soir. Tiens, j'ai entendu chanter, pas moi. Tiens, j'ai entendu parler, pas vous. Cela ne nécessite. Oh! Ha ha ha! Souris qui n'a qu'à trouille, bientôt prise. C'est-à-dire, je ne comprends pas le langage des chats. Je vais t'attraper et te croquer, bel enfant. Ah si, je comprends trop bien. Vous ne préférez pas jouer à chat perché? Ouah, c'est toi le chat? Même pas capable de jouer avec moi. Si, si, on m'a dit que vous étiez très joueur. On t'a pas menti. Comment t'appelles-tu? Juliette, comme la fiancée de Roméo. Que dis-tu? Comment sais-tu que je m'appelle Roméo? Roméo? Vous vous appelez Roméo, c'est bien vrai? Pourquoi? Qu'est-ce que cela a d'étrange? Parce que je m'appelle Juliette, alors. Alors quoi? Alors rien. Tu es vraiment bizarre comme souris. Et où cours-tu ainsi toute seule? Récupérer des dents de lait sous les oreillers des enfants endormis. Voler des dents de lait? La belle affaire! Et pourquoi faire? Je ne les vole pas! Je les échange contre une pièce d'argent. Ainsi, les enfants sont contents. Et que fais-tu de toutes ces dents? Chut! C'est le secret des souris! Tu ne dois pas le dire! Ainsi, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Non, moi je ne danse pas. Ou juste des entrechats. Parmi Stigli, tu es vraiment trop mignon pour une souris. Absolument trop quignolette. Mais sais-tu qu'il ne faut pas réveiller le chat qui dort? Rappelle-moi ton nom. Juliette. Ce nom, comme tu le dis bien, passe ton chemin. Délicieuse sourisette, va, je te laisse filer. Tu es tant belle à croquer que, quoique très affamée, gracieuse Juliette, je me mets à la diète. De tes folles cabrioles, de ton
enfin rencontrés. Après la surprise, c'est l'agitation et le trouble chez les souris et les chats. Hola, Bagheera, t'as une mine de chat mâché? Pourquoi? T'as plus de chatière? T'as du chagrin? Tu t'es chamaillé? On t'a chassé? T'as plus de chatière? On t'a traité de chat lion? Eh bien, souris! Pas envie, j'ai la rage! À cause de quoi? De qui? La stupide Juliette! La souricette! Ah, c'est pour ça, tu as promis. Ah bon? Elle est amoureuse de Roméo! Arrêtez de crier sur les toits! Roméo, pour toi lui, toujours lui, il y en a d'autres! Qu'est-ce qu'il lui trouve? Vous l'avez vu, pâmé comme... Vous l'avez vu, pâmé comme une carte, devant une mie de pain, la bouche ouverte, l'air bête! Votre patte, madame! Mes pieds, oui! C'est bon, calme-toi! Ta voix est si douce à mon cœur! Thank you.
parisien qui finit bien, car messieurs les chats sont allés prévenir les souris et les rats du grand danger qu'ils couraient. Alors, l'armée des rats a organisé un commando pour aller récupérer toutes les foules du pays. Ainsi, les chats sont devenus les héros de nos souris. De plus, suite à la romance entre Roméo le chat et Juliette la souris, tous les animaux firent une trêve et signèrent le pacte des bisous. Sauf moi, je rappelle que je suis un super héros. Ainsi, tous firent de gros efforts pour vivre en paix. Mais ce ne fut pas toujours facile. C'est clair, pour moi c'est rapide. En plus, c'est bien joli tout ça, on fait la paix et tout et tout. Mais question nourriture, ceinture. On n'a plus le droit qu'à du poisson. Et même en essayant les 118, 218, on est tout barbouillé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On devient végétarien? Je connais ton problème, tu as plein de syndrome. J'ai envie de croquer tout ce qui bouge. Aussi, j'ai trouvé une petite idée pour compenser. On va aller chatter sur internet pour pouvoir enfin mettre la main sur une souris. Surtout lorsque ces damoiselles doivent cohabiter avec messieurs les rats et avec leur ennemi juré, le seigneur chat et tous ses chevaliers à la griffe acérée. Mais il est, paraît-il, des amitiés ou des romances
aussi curieuses qu'inattendues, qui peuvent se nouer entre les personnages de ces trois tribus si opposées. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Mais nos amis les bêtes nous réservent souvent de drôles de surprises. C'est pourquoi je vais vous conter une incroyable et merveilleuse histoire. Alors faisons-nous tout petits pour accéder au monde magique des héros de ce drôle de conte qui a commencé chez les damoiselles Souricettes. Pourtant, je suis un vrai rat manqué. Bizarre pour une souris, non?
Alain cherche à faire du sport de combat. En fait, je vais m'engager dans l'armée des rats. Quoi ? Oui, et pour deux raisons. Pour faire du classe combat, et surtout, pour m'approcher du beau Roméo. Car moi aussi, je connais un Roméo. Mais celui-là existe vraiment. Et je voudrais le voir de près. Il est si mignon. Roméo, le chat ! Un beau chat noir. Nuance. Ça ne va pas la tête ? Oh là là ! Mais il ne fera de toi qu'une bouchée, souricette. C'est mon choix. Oh là là ! Moi aussi, souris truffette. Je pars avec elle. Je m'engage dans l'armée des rats. Il n'est pas question qu'elle me pique Roméo, ce beau chat noir qui me fait craquer. Quoi ? Toi, si coquette et viens faire la fête. Quelle folie. S'amouracher d'un chat. Jamais on a vu. Jamais on a vu. Jamais on a vu. C'était une bien curieuse histoire. À présent, pour en connaître la suite, ouvrons la porte d'un monde aussi mystérieux que fascinant, celui de Messire les chats. C'est clair, c'est pourquoi moi,
J'ai de bonnes nouvelles, mes chatons. Oui. Quelle bonne nouvelle? La cuisine vient d'être ravitaillée. Le frigidaire est plein. Miaou! Attention à toi si c'est une blague. Mais c'est sérieux! Moi aussi, je meurs de faim depuis que nos maîtres ont oublié de nous donner pâté et croquettes depuis 2 jours et... T'aurais pu le dire plus tôt? Pourquoi as-tu attendu? J'adore faire des surprises. La preuve, venir vos têtes. Tu verrais la tienne quand tu loupes toutes les souris qui t'ont assoulé à mourir de rire. J'en ai su pour rien si elle me file entre les pattes. Ce n'est plus des pattes que tu as là, mais des pressoirs. Tu es maladroit, mon C'est clair. Faut dire qu'elles sont rusées. Elles se mettent à quatre pour me faire peur dans tous les sens. Ce qui fait que je n'en attrape aucune. Tu ne sais pas y faire. Moi, mon danger, c'est de jouer au chat et à la souris. En attendant, même sans souris, le repas ne va pas tarder à arriver. Moi, j'ai trop de patience. On va se rattraper avec les bons petits flashs que Félix avait passés. N'est-ce pas? Si je les ai vus, comme je vous vois. Miaou! Il y a des croquettes? De la viande? Du poisson? Du brûlé de faringue crémeux? C'est clair, les paniers débordés de victuailles. Miaou! Et qu'as-tu fait comme cochonnerie? J'ai aperçu de bons gros boudins. Noir? Blanc. Tout blanc. Ah bon? Quel dommage! Tu ne vas pas cracher dans la soupe. C'est clair. Je préfère le boudin noir. Voilà tout. Du boudin, c'est du boudin. On ne va pas chipoter pour la couleur. Moi, si je devais chipoter, ce serait sur la tenue de la litière. Là aussi, on nous oublie. On pourrait nous changer le bas plus souvent. On n'est pas des rats. L'odeur devient insupportable. Ah, il faut vraiment y avoir envie pour y aller. Où ça? Aux toilettes, au WC, au pipi popo, c'est clair? Bref, il pourrait nettoyer avec la lessive le chat-machine. En attendant le repas, je voulais vous dire que les rats sont assez bizarres ces temps-ci. Je les ai vus s'entraîner à des combats de guérilla, des vrais rats. Oui, ils viennent presque nous marguer dans notre territoire. Quelle toupée! Qu'ils essayent, tiens, il leur en cuira. Vous nous sonnez avec vos bavardages, mesdemoiselles. Allez donc jouer à chat-machin en attendant le repas. Les chats sont si collés ce matin. Et voilà, encore un match de foot coupé. On s'est encore pris une gamelle. Oh là là, que des ballons perdus. Quand je pense que toute une équipe de joueurs est incapable d'attraper une seule balle... Parce qu'ils se tiennent dans les pattes, voilà. Eh bien, s'ils couraient après les souris, ils n'en verraient pas la queue d'une. Roméo, as-tu lu ma nouvelle robe? Oui, oui. Comment la trouves-tu? Classe, non? Comment ça? Laisse couler. Le mal est dans son journal. En tout cas, moi je la trouve très bien, notre... Tu m'as pas fait mal. Tu peux toujours te gratter. Ah, voilà bien des sortes de femelles, toujours branchées, colliers, robes, grippes et chiffons. Et alors, vous n'aimez pas la mode? Non, on préfère le buzz mode. Macho. Macho. Je m'anime. Pas une souris à l'ombre. Va donc te faire des griffes sur la brosse avec un... C'est là que c'est tombé. Rien ne peut me détendre quand je meurs de faim. Eh bien, les chatons, on ne fait pas tout le tournoi. En fait, Bagheera a envie d'un miaou. Dis donc, Pistache, au lieu de parler dans tes moustaches, que je sache, si c'est sur le boudin blanc que tu craches et sur le boudin noir que tu flashes, on dit pourquoi tes poils ont tant de tâches et pourquoi t'as tendance à virer sur la vache. Et toi, le chaman, plutôt que de jouer à l'âne, va donc te faire poser dans la savane. Ah oui? Oh la poulette, tu n'as jamais vu la pitbull en colère? Non, pourquoi? Eh bien, tu vas le voir. Miaou, miaou. Cette fois, il ne nous reste plus qu'à découvrir le monde des rats, un monde incroyable et fantasmagorique. Accrochez-vous, dépaysement garanti. Thank you.
affirmatif. Alors, au trot. 1, 2, en avant. 3, 4, 0. 5, 6, en deux 7, 8, en avant. À mon commandement, relaxé. Hop, hop, hop. Master, tout bien. Dois-je rabâcher de ne pas courir comme des dératés. Alors, formule en deux plans. Attention, à présent, futur avancé. Allez! Choléra! J'ai dit tout sur une ligne! Bien, à présent, je ne vois qu'une tête et qu'une queue. Si une queue dépasse, je la coupe et je m'en fais un collier! Oh non, chef! À mon commandement, garde à vous, fixe! Hop, hop, hop. Je n'ai pas dit de fixer bêtement, mais on fixe au chef et on bombe le torse! Choléra! C'est le radeau de la méduse. Depuis l'arrivée des souris, il est ravagé. Oui, il se prend pour un radia. Repos. Oh, 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 ça ne veut pas dire faire la sieste, ça veut dire que se détend. Debout. Eh bien, on n'a pas gagné. Comme vous l'avez remarqué, nous avons deux nouvelles recrues. Ce ne sont que des souricettes, mais elles ont un tempérament de feu. Et je vous demande d'être indulgent avec elle et de ne pas les chahuter. On est parti. Désolé, chef, mais les souris ont tenu le commando, j'en ai la rate qui se dilate. Ah oui, c'est très drôle. Elle est un fou, je colle au trou. Oh non, chef. Ah non, chef. Chef, en fait, ces souris mangent à tous les ratonnés. Et où est le problème, raton laveur? Raton laveur, répète à tout seul, vous êtes au pas de folle. Je ne t'ai pas sonné la cloche à fromage. Qu'est-ce qu'elle a? Le petit Suisse, elle doit être roulée dans la tour du papier ou elle s'est trompée de compter? Elle doit se faire du lait taillé. Tiens, deuxième vacherin. Je crois que c'était toi la vache qui rit. Maman, t'as tutu si tu veux jouer au petit rat de l'opéra? Elle ferait mieux de faire la ficelle. Toi, Kirikou, rat d'opérette, je vais te transformer en fromage battu. Arrête là, tu abuses, ils vont nous. Quoi? Mais je vais en faire de la pluie pour chat, du saucisson à pâte. Ah oui, tu veux une raclette? T'es mort. On baisse les papates, et ron, ron, et patati, et patata. Non, mais des fois, ça arrive à quoi? C'est lui de Port-Salut, c'est lui qui pue. Quoi? Tu t'es vu, Ragondin? Quoi? Que drap? Oreille de Mickey. Hop, 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 trotte de boursin, vous en faites du bruit. Alors, on ferme sa boîte à camembert. Qu'est-ce que c'est que ça que c'est? J'ai la rage! Altora, go! On va pas en faire un fromage. Moi, je veux quitter ce piège à rats. Bon débat, bras. Silence! Je libère les chats. Oh non, chef! Êtes-vous dans l'armée des rats pour jouer les chariots ou pour vous y chamailler? Chamailler? Me trompais-je ou me trompais-je pas? Non, chef. Alors, on n'aura plus. Joueur du fromage de tête. Oui, chef. Compris aussi les souris. Mais chef, c'est les rats. Je ne veux pas le savoir. Et vous, bande de rats, pourquoi dans des rats êtes-vous? Enragé? Je le sens comme ça, chef. Ah oui, et pourquoi tête de noix? Parce qu'il n'est pas rachitique, chef. Vous, fantassin, je vous ai pas sonné. C'est vrai que je n'ai pas entendu la cloche, chef. Ah non, vous n'avez pas entendu la cloche? Si, on l'a entendu puisque c'est le chef qui a parlé. Oh, sanction disciplinaire, vous me ferez 20 bons par an du plancher. Exécution! Oui, chef. Casser! Eh bien, les bleus, on peut changer la boîte? Ben. Dans ce cas, pas de les arrêts sous l'hiver, au sol comme les rats. Exécution! Oui, chef. Casser! Si j'avais su, j'aurais pas vu. Cela a du bon d'être chef des rats. Logé, nourri, blanchi, repas prioritaire. Donc, meilleur morceau du Beaufort et du Roquefort, ce qui me rend beau et fort comme un roquefort. Et souris sur le gâteau, on a les souris à nos pieds. En fait, pour moi, même sans la baraka, ça n'est jamais râpé. Que de surprise! Tout ce petit monde est bien sympathique et très amusant. Même les rats sont de vrais clowns, ils font de ces pitreries. À présent, passons à la suite de l'histoire. Tout d'abord, les rencontres habituelles entre nos héros. Souris, rats et chats. Jouent-ils souvent au chat et à la souris? Observons-les de plus près. Thank you.
Ce jeu de scène espiègle de se passer la nuit. Mais au fait, que font ces petites bêtes au petit matin à l'heure où les humains sont encore endormis? Surprise, car pendant ce temps, les rats s'entraînent comme des bêtes pour mener une guérilla contre les chats. Approchons-nous de plus près pour assister à l'un de leurs entraînements. Du jamais vu. En place pour l'entraînement du rituel guerrier des rats. Le haka ? Oui, le haka des rats blagues. Lançons notre cri de ralliement pour effrayer les chats. En position ! Mais le bruit risque de les attirer ! Justement, il est temps de les affronter. Ouh ! Ah ! Des rats ! Des rats ! Ah ! Go, go!
Vraiment, il s'en passe des choses extraordinaires chez les petites bêtes. Vous ne trouvez pas? À présent, il est temps de s'intéresser à l'histoire de Roméo et Juliette. Je veux dire à celle de Roméo, notre beau chat, et de Juliette, notre charmante souricette. Celle qui adore lire la tendre histoire d'amour de Roméo et Juliette. Vous vous rappelez? Et s'ils tombaient amoureux? Vous allez me dire que le mariage d'un chat et d'une souris ne s'est jamais vu. Eh bien si, cela existe dans les contes de fées. Alors, rêvons un peu avec eux. Si tu existes, Roméo, viens au clair de la lune me parler chaque soir. Je cherche fortune tout autour du chat noir. Et au clair de la lune, à Montmartre le soir. Tiens, j'ai entendu chanter, pas moi. Tiens, j'ai entendu parler, pas vous. Cela ne nécessite. Oh! Ha ha ha! Souris qui n'a qu'à trouille, bientôt prise. C'est-à-dire, je ne comprends pas le langage des chats. Je vais t'attraper et te croquer, bel enfant. Ah si, je comprends trop bien. Vous ne préférez pas jouer à chat perché? Ouah, c'est toi le chat? Même pas capable de jouer avec moi. Si, si, on m'a dit que vous étiez très joueur. On t'a pas menti. Comment t'appelles-tu? Juliette, comme la fiancée de Roméo. Que dis-tu? Comment sais-tu que je m'appelle Roméo? Roméo? Vous vous appelez Roméo, c'est bien vrai? Pourquoi? Qu'est-ce que cela a d'étrange? Parce que je m'appelle Juliette, alors. Alors quoi? Alors rien. Tu es vraiment bizarre comme souris. Et où cours-tu ainsi toute seule? Récupérer des dents de lait sous les oreillers des enfants endormis. Voler des dents de lait? La belle affaire! Et pourquoi faire? Je ne les vole pas! Je les échange contre une pièce d'argent. Ainsi, les enfants sont contents. Et que fais-tu de toutes ces dents? Chut! C'est le secret des souris! Tu ne dois pas le dire! Ainsi, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Non, moi je ne danse pas. Ou juste des entrechats. Parmi Stigli, tu es vraiment trop niant pour une souris. Absolument trop quignolette. Mais sais-tu qu'il ne faut pas réveiller le chat qui dort? Rappelle-moi ton nom. Juliette. Ce nom, comme tu le dis bien, passe ton chemin. Délicieuse sourisette, va, je te laisse filer. Tu es tant belle à croquer que, quoique très affamée, gracieuse Juliette, je me mets à la diète. De tes yeux couleur turquoise.
Après la surprise, c'est l'agitation et le trouble chez les souris et les chats. Hola, Bagheera, t'as une mine de chat mâché? Pourquoi? T'as plus de chatière? T'as du chagrin? Tu t'es chamaillé? On t'a chassé? T'as plus de chatière? On t'a traité de chat lion? Eh bien, I'm not afraid of the dark.
c'est bien qui finit bien, car messieurs les chats sont allés prévenir les souris et les rats du grand danger qu'ils couraient. Alors, l'armée des rats a organisé un commando pour aller récupérer toutes les foules du pays. Ainsi, les chats sont devenus les héros de nos souris. De plus, suite à la romance entre Roméo le chat et Juliette la souris, tous les animaux firent une trêve et signèrent le pacte des bisous. Sauf moi, je rappelle que je suis un super héros. Ainsi, tous firent de gros efforts pour vivre en paix. Mais ce ne fut pas toujours facile. C'est clair, pour moi c'est rapide. En plus, c'est bien joli tout ça, on fait la paix et tout et tout. Mais question nourriture, ceinture. On n'a plus le droit qu'à du poisson. Et même en essayant les 118, 218, on est tout barbouillé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On devient végétarien? Je connais ton problème, tu as atteint des syndromes. J'ai envie de croquer tout ce qui bouge. Aussi, j'ai trouvé une petite idée pour compenser. On va aller chatter sur internet pour pouvoir enfin mettre la main sur une souris. Et c'est pour qui les fleurs? Vous avez une Juliette. Mimi a des posters de vous qui collent partout. Et moi aussi. Ah oui? On peut avoir un autographe? Un autre jour. Et pourquoi le petit minou gentil a des grosses dents? Et pourquoi le petit minou gentil a des grosses pattes? Et pourquoi il a pas des petites moustaches? C'est bon, Zoé. Tu ne vas pas lui rejouer le coup du petit chaperon rouge? Moi, je suis Radicelle, celle qui en sorcelle. Mais tu parles, moi je suis Mimi à plus Mimi. Ah oui, je n'y crois pas. Ah oui, je n'y crois pas. Call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine.
bébé de Roméo et Juliette vient de naître. Et alors? C'est un chat. Ah! Oh! Un chat angora. Ah! Oh! Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà le bébé souris et les sourires. Ah! Le décor, les costumes. Le son, la lumière, c'est bon. L'informatique, Jérémy.
Saint-Julien, Saint-Christian, il n'y aurait pas eu de spectacle ce soir. Et puis, tous les enfants. Je n'ai qu'un mot à dire. Non, ça fait déjà plusieurs mots que je suis en train de dire. À l'année prochaine. Je sais que vous aurez dit ça.
de vous présenter notre mascotte.